Après consultation, les militants locaux l'avaient décidé en octobre. Communistes et partis de gauche créeront une liste Front de Gauche au municipal. Au risque de faire voler en éclats la majorité plurielle du maire PS, Jean-Claude Boulard. Rapidement, les élus PC du Mans et de la métropole avaient pris leur distance avec cette décision. Aujourd'hui, ils ont formalisé leur soutien au maire sortant on va choisir le rassemblement dans la gauche la plus large autour de l'équipe qui sera conduite par Jean-Claude Boulard. On considère qu'il y a effectivement les adhérents communistes qui ont pris une position, mais on a aussi un certain nombre d'acteurs avec qui on travaille tous les jours, avec des associations, avec qui on a effectivement mené des combats, mené des actions, et aujourd'hui on n'a pas envie de balayer cela d'un revers de main après treize ans de mandature commune et seulement deux désaccords avec les socialistes sur la vidéosurveillance et les aides publiques aux entreprises privées le groupe des six défend bec et ongles son bilan un bilan parasité par les questions nationales lors de la consultation des militants. Les militants ont fait, un, ont fait un choix en disant euh, le national, avec les positions du Parti socialiste, du gouvernement, il faut qu'on leur envoie aussi un signe en disant bon, il faut arrêter, on vous a pas élu pour ça. Le travail des élus communistes au sein de la municipalité n'a pas été pris en compte dans le débat, c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'un débat national et euh, on n'a pas été entendu sur l'action euh, locale. Dans ce quoi, les élus pointent la responsabilité des cadres départementaux du PC. Ils ne sont pas les premiers élus à tourner le dos aux directives partisanes. La semaine dernière, l'adjoint au sport, François Hédon, a été exclu du parti de gauche pour avoir préféré la liste de rassemblement du maire du Mans à celle du Front de Gauche.